Salut tout le monde, c'est Linmeka, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre famille, que vous avez été gâtés, tout ça, tout ça. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo du thème de Noël, je suis absolument dégoûtée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mes cadeaux de Noël. J'étais encore gâtée cette année, je le sais. Je vais commencer par vous présenter mon pantalon que j'avais acheté spécialement pour le 24. Donc il est comme ceci. Je vous mettrai des petites photos par-ci par-là. Donc j'avais ce look à Noël et j'avais un magnifique sac cloutin. Oh là là, il est tellement beau. Les gens qui me demandent, non ce n'est pas le mien, c'est celui de ma tante. Mais après si elle veut me le prêter, hein, c'est avec plaisir. Après c'est ma soeur qui me l'a donné. C'est son anti-cerne Kat Von D. Il est super bien. Je l'aime beaucoup, celui que j'aime aujourd'hui pour les infos. Et après elle m'a aussi donné sa bouche Huda Beauty. Où en fait c'est un crayon... full size, donc taille full size, donc c'est super bien. Et après il y a deux gloss, un pailleté, un gloss mat qui est super beau, que j'ai mis d'ailleurs les deux jours de Noël. Je vais vous le swatcher. Je vais commencer par les cadeaux du 24 comme d'habitude je crois. En premier j'ai eu l'eau comme ça avec énormément de vernis, bah il y en a 16, et avec un petit lot, petit kit manicure, c'est super cool. De la part de ma tante, il est archi cool, j'ai jamais testé les vernis Hoya. Et les couleurs par contre sont super canon. Il y a vraiment énormément de teintes. Et voilà quoi, c'est trop cool. Et mes autres cadeaux du 24, j'ai eu une carte qui a d'une valeur de 30€. Et après le 25 où j'ai eu le plus de cadeaux comme tout le monde je pense. Bon alors, j'ai eu mon petit bébé chou. Alors comment vous dire qu'il est absolument énormissime. En noir, il est super beau et les détails ils sont chrome, je crois que ça se dit comme ça, ou chromé, je sais pas. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est un sac Longchamp en toile pliage noir. Après j'ai eu la petite trousse noire qui va avec, donc dans un sac que je vais vous présenter tout à l'heure, ça va super bien, c'est génial. Après vous connaissez bien sûr ma passion pour les Mercy Indy. Bah, j'ai eu mon petit ma petite box boîte rose carpet, merci Andy. Et je pensais pas du tout, mais en fait c'est des odeurs limitées, pardon. Donc il y a celui de Elsa Makeup, Clara et Enjoy Phoenix. Et avec, il y avait une petite pochette comme celle-ci. Et franchement les odeurs, j'en ai senti qu'un seul, je crois c'est celui-là. Et c'est un mélange entre le Cherry Cherry, je sais pas comment, trop comment ça se dit, et le Oh My Lemon. Ils sont super bons. Et après ma soeur, elle m'avait mis dans cette petite boîte 3 Mercy Andy. Donc il y a le Hello Sunshine, le Flower Power et le Cocorico. Ensuite j'ai eu une petite licorne, elle est trop mignonne, qui sent la lavande. Et en fait c'est une bouillotte, donc on la met au micro-ondes. Du coup elle devient toute chaude. Hier j'ai utilisé, j'avais mal au dos, c'était trop topissime. Voilà, elle est trop mignonne. Après un cadeau, genre je suis trop heureuse de les avoir. Ce sont des pinceaux licorne de la marque Zoé Aïla. Je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas trop. Donc là après il y a la description des pinceaux. Et voilà, sinon il y a des pinceaux aux yeux éteints. De la part de ma sœur aussi, puisque les deux autres c'était aussi de ma sœur. C'est un livret de masques Sephora. Donc il y a un masque cheveux, visage, yeux, patch pour le nez, mains, pieds et bouche. Et il y a une odeur différente pour chacun. Voilà, en fait c'est vraiment sous forme de petit livret. Après un cadeau pardon, que j'avais demandé dans ma wishlist, c'est une montre Zadig & Voltaire qui est comme ceci. Donc je l'ai bien rangée sur son petit coussin, tout ça, tout ça. Elle est grise, en cuir gris, avec le cadran violet. Elle m'est un tout petit peu trop grande, donc on va l'amener à un cordonnier pour qu'il rajoute un petit trou. Après j'ai eu une bougie au senteur chocolat je crois. Ça sent super bon. J'ai eu deux petits produits comme ceci, parfumement. Mais en fait ça je sais pas trop si c'est une sorte de tartelette un peu qu'on met dans les chauffe-bougies, quelque chose comme ça. Chauffe-plat, voilà. Et après là il y a un petit truc parfumé, ça sent archi bon. Et sinon j'ai eu des chocolats. Ils sont super bons. Et pour finir cette magnifique vidéo, j'ai eu un sac à main, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc c'est un sac à main qui provient du site Monier Frère. Alors la boîte est vraiment énorme, elle est magnifique, je vous jure. Et donc c'est bien sûr le cadeau de mes parents. Donc ici, il y a le tote bag, dust bag, pardon. Et oui, c'est un sac Karl Lagerfeld. C'est un sac Karl Lagerfeld, oh my gosh, il est trop beau. Voilà, je vous laisse... d'écrire par vos propres mots. En tout cas tout le monde m'a dit il est trop canon. Après dedans c'est un peu feutrine. Il y a une petite poche, je sais pas si on va très bien. Et dedans il y a une pochette qui se détache, il me semble.
Oui, qui se détache. Donc ce sac à main, c'est absolument toute ma vie. Et d'ailleurs, jeudi, je pars en vacances. Je ne sais pas si aura un vlog. Je sais pas, c'est pas sûr encore. Mais du coup, voilà, je pars du 28 au 30 faire les boutiques à 3. Et du coup, j'aurai mon sac Longchamp et mon sac à Lagerfeld. Je serai au top du top. Ce sera génial. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bon, d'ailleurs, je pense que ça suffit. Hein. J'ai été assez gâtée quand même. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ma licorne. Ouais, j'ai aussi une autre licorne murale en fait. Je sais pas si je vais l'accrocher, mais bon, c'est cool, vous voyez. Voilà, cette fois c'est la vraie fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez été gâtés par le Père Noël. Je fais plein de gros bisous à une prochaine vidéo.